Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, coloriage aujourd'hui, oui, un jour c'est d'épée, un jour c'est coloriage. Voilà, j'ai commencé un nouveau coloriage aujourd'hui, encore d'Emmanuel Colin. Oui, ben, je les adore, là en ce moment c'est ma série Emmanuel Colin. Je ne peux pas m'empêcher de faire cela en ce moment. Donc là, en plus, il est tout mignon parce qu'il y a un petit oiseau dans les cheveux. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Alors, aujourd'hui, j'ai utilisé donc mes Prismacolor, comme d'habitude, pour faire le petit oiseau. Voilà. Et pour faire le maquillage du visage. Et pour faire la peau, le visage, la peau. J'ai utilisé mes crayons polycolores. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous ai mis en barre d'infos les crayons que j'ai utilisés, les numéros. Et également, je vous ai mis les liens des boîtes que j'utilise. Voilà, du matériel que j'utilise pour faire mes coloriages. Voilà, comme ça, si ça vous intéresse, vous n'avez plus qu'à cliquer. Hop, et vous allez voir. Alors, pour l'instant, je mets toujours les numéros. Qui correspondent réellement au crayon que j'utilise. Je vais essayer par la suite de faire. Alors, je ne pourrais pas le faire pour toutes les marques parce que je ne connais pas toutes les marques. Je ne les ai pas tous. Hein. Pas encore. Un jour, peut-être. Je vais essayer de vous mettre les correspondances. Donc, comme moi, j'ai bon, j'ai la mallette d'action, j'ai les Castellart, j'ai les Primacolor. Voilà. Bon, je vais essayer de vous mettre les correspondances qui vont avec les boîtes. J'essaierai de faire au mieux. Comme ça, si vous n'avez pas la boîte que j'aurais utilisée dans le dessin, mais que vous avez une autre boîte que moi j'ai, et que vous voulez refaire le dessin, par exemple, ou utiliser le coloriage pour adapter à un de vos coloriages, vous pourrez retrouver peut-être les crayons dans votre boîte. Voilà, je vais voir comment je peux goupiller ça. Je vais essayer de m'arranger. Voilà, comme ça, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos les correspondances. Voilà, je vais réfléchir à ça. Parce que c'est vrai que bon là je vous mets toujours les Prismacolor ou les Polycolor, mais bon il existe d'autres boîtes. Bon là je vous ferai qu'avec les quatre boîtes que j'ai, puisque bon par exemple les Faber-Castell, moi je les connais pas encore, j'espère les connaître un jour. On va demander au Papa Noël, hein, peut-être. Bon, c'est encore loin le Papa Noël, mais bon, on sait jamais. voilà, malgré que je pour Papa Noël, alors voilà, je ziote quand même. Alors, soit pour les Faber-Castell, bon, c'est pour ça Papa Noël, c'est quand même dans avril, mai, juin, juillet, 9 mois, donc ça va. J'aimerais bien que Papa Noël me ramène soit la boîte de Faber-Castell. Ou alors là, par contre, j'ai complètement oublié le nom, je vais vous le remarquer. Ici en dessous, c'est une boîte de crayons de couleur japonais. Mais alors, oh, c'est là, c'est ce qu'il y a au-dessus de tout. Ça passe au-dessus des Faber-Castell, ça passe au-dessus des Primacolor. C'est le top du top. Donc, alors, soit que je vais demander à Papa Noël les Faber-Castell ou alors les Japonais. Voilà, j'aimerais bien cela. Parce que dans les crayons de couleur japonais, alors il y a des... Si on prend la très grosse boîte, la complète, je crois que la complète, c'est 200 crayons. Bon, là, Papa Noël ne va pas être content parce qu'elle est extrêmement chère. Elle coûte une fortune, donc celle-là, non, on ne va pas exagérer, hein. Parce que la 200 crayons, celle qui fait 200 crayons, je crois, c'est 200 ou 220, je ne sais plus. Elle est dans les 300 euros.
Donc là, non, on va pas. Non, 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 non. À moins qu'on gagne au loto d'ici là. Qui sait? Bon, il faudrait d'abord que je joue. Oui, il faudrait d'abord que je joue au loto pour pouvoir y gagner. Non, je viserais plutôt pour Papa Noël la boîte. Alors, c'est la boîte de 100 ou de 150. C'est 100 crayons ou les 150 crayons, je crois. Voilà, je crois que c'est 150. Mais. Et là, donc, il y a toutes les couleurs, bien sûr. Et il y a un rack de couleurs où ce sont toutes les couleurs pastel dedans. Donc, que l'on ne trouve pas dans les autres boîtes. Donc. Donc, Papa Noël, peut-être, dans 9 mois. S'il pouvait m'accoucher d'une boîte de crayons de couleur japonais, ce serait bien. Bon, on verra, hein. On n'est pas encore à Noël. À moins que je vous dise que je joue au loto et que je gagne d'ici là. Mais bon. Vous me direz, si je jouais au loto, que je gagnais au loto, que je pouvais m'acheter cette boîte. Alors, si je gagne au loto, là, j'achète la grosse boîte, hein, bien sûr. Là, tant qu'à faire, hein, j'achète la grosse boîte. Donc, on va laisser les rêves. Mais ça fait toujours du bien de rêver. Donc, du coup, je vous disais tout ça pourquoi? Oui, donc je vais essayer de vous mettre les correspondances du mieux que je peux pour les crayons quand je fais mes coloriages. Donc, avec les actions, les Castellart, les Prismacolor et les Polycolor également. Là, c'est les crayons pour le visage et la peau. Donc, je vais essayer de faire au maximum pour vous mettre les correspondances. Bon. Là, dans celle-ci, vous n'aurez pas encore les correspondances. Je suis désolée, mais là, vous ne les aurez pas encore, puisque je suis seulement en train d'avoir l'idée. Donc, il n'y aura pas encore les correspondances. Mais je vais essayer de faire ça pour la prochaine vidéo. Voilà. Donc, je disais que oui, là aujourd'hui, donc j'ai fait le visage. Là, j'ai commencé par le visage aujourd'hui. Donc, j'ai fait le visage, la peau, puisqu'il y a un peu du buste. C'est encore un profil. Là, je l'ai maquillé un petit peu. J'ai un petit peu maquillé son œil, puisque là, on ne voit qu'un œil, hein, puisque c'est de profil. Donc, j'ai un peu maquillé son œil. Bon, la bouche, bien sûr. Et elle, comme elle a un petit oiseau dans le chignon, j'ai fait le chignon. Non, j'ai fait l'oiseau aujourd'hui. Le chignon, on verra ça demain. Donc, j'ai fait l'oiseau. Voilà. Et là, il me restera donc à faire les cheveux et toutes les fleurs qu'elle a dans ses cheveux. Voilà. Donc, ben, j'espère que ce petit coloriage va vous plaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos. Oui, c'est pareil. Mais, oh. En commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions sur ce coloriage ou sur un matériel que j'utilise, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir, comme d'habitude. Je vous mets tous les liens, vous cliquez dessus, vous arrivez directement dans la boutique. Vous savez que moi, la boutique, bon, je sais que tout le monde n'aime pas Amazon, hein, mais moi, c'est là que je commande, pour ainsi dire, presque toujours. De toute façon, pour le coloriage, c'est là que je commande, hein, le maximum. Voilà. Donc, demain, je continuerai ce coloriage. Et ensuite, je ferai le scrap. Oui, je vous ai promis du scrap. Donc, je ferai le scrap. Et après, on reprendra le diamond painting. Voilà. Allez, je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous laisser visionner cette vidéo en espérant qu'elle va vous plaire. Et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt. Bon visionnage. À bientôt. Bisous, bisous.